Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trépaud les blancs et il va falloir arrêter le pion passé évidemment des noirs avec les deux cavaliers un petit peu loin hein, pour l'instant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le cavalier H8 il pourrait aller donc en G6 ou en F7, bah, comme l'autre, hein, l'autre peut aller en F7 aussi. Donc là, s'il vient en G6, bon, de toute façon le pion va avancer, il n'y a pas le choix. Le cavalier pourra continuer en E5, disons, et le pion continue à avancer. On voit pas trop comment rattraper le pion. A priori, on peut pas le rattraper. Est-ce qu'on peut faire des échecs? On peut avancer ce pion après, quand il est protégé par le cavalier, même avant. De toute façon, le roi va pas le prendre. Il va venir ici. Il s'échappe des échecs. Et là, il est un peu trop éloigné, ce roi, hein, pour qu'on puisse rattraper le pion. Alors évidemment, si on ne veut pas perdre, il faut quand même empêcher le pion d'aller à la dame. Après, c'est pas tout à fait vrai. Alors je pense que si on prend les pions avec le roi, qu'on garde les cavaliers, on a quand même des chances de faire nul. Mais ce qu'on veut, c'est gagner ici, hein. On ne veut pas faire nul, hein, évidemment. Donc ce qu'on veut, c'est arrêter le pion, ou bien évidemment, trouver une solution pour faire un réseau de mat sur le roi. Et en fait le roi n'a que deux cases si on regarde bien, ce sont les cases A4 et C4. Donc si un cavalier est bien placé sur une certaine case où il contrôle tout ça, et eh ben on pourrait simplement avancer un pion et ce serait mat hein, d'un côté ou de l'autre hein, donc comment téléporter un cavalier en B2 puisque c'est la case qui protège? En B6 il y a ce pion qui nous gêne évidemment, on n'a pas le temps de le prendre je pense, mais la case B2 est quand même un peu loin. Remarquez, attendez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, le pion a le temps de faire dame, et après il y aurait, ce serait donc aux noirs de jouer avec leur dame, et ils auraient un échec ici. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, bah, c'est empêcher cet échec. Et oui, et la dame ne pourra pas faire échec, et ce sera donc mat imparable. Ce qui veut dire que si jamais il y a un pion noir qui bloque cette diagonale, eh ben, ce sera mat imparable. Du coup, on amène l'autre cavalier. Vous avez compris le premier coup peut-être. Le premier coup, cavalier C6 ici pour bloquer la diagonale. Alors, si le pion tente d'aller à dame, bah, il se fait rattraper immédiatement. Hein, il n'y a pas le choix. Hein. Ok, qu'il y ait en D4, s'il pousse en F3. Cavalier D4, évidemment, on prend le pion, et puis voilà. De toute façon, il nous reste un pion à la fin. Le roi noir ne peut pas prendre les deux pions blancs, les trois pions blancs. Parce que deux cavaliers, évidemment, ça ne suffit pas pour gagner. Sauf si les noirs ont aussi un pion, mais bon, ça c'est plus compliqué. Donc ici, il est obligé de prendre, et voilà. Et le cavalier arrive à toute vitesse. Au passage, on attaque le pion à chaque fois, donc il n'a pas d'autre option que de l'avancer. Hop, voilà, il l'avance, sinon on prend, hein, bien sûr. Et quand il fait dame, et voilà, c'est le fameux mat imparable avec le cavalier en B2. On a réussi à trouver le schéma au départ. Hein. Il fallait réussir à le créer avec ce coup de cavalier en premier pour bloquer la diagonale. Comme ça, la dame noire ne peut pas faire échec. Hein. Évidemment, vous avez bien compris la différence. Si jamais le cavalier y allait tout de suite et la dame noire allait faire un échec en G2. Voilà, et c'était ça la petite différence par rapport à la partie. Et puis bien sûr, là, après, la dame allait prendre le cavalier. Hein, le roi bouge et la dame prend le cavalier, évidemment. Là, c'est sûr qu'on gagne plus. Hein. Par contre, avec ce coup de cavalier en premier, ça change tout. On arrive à cette position avec les pions qui bloquent finalement la dame noire. Hein. La noire qui peut rien faire. Au prochain coup, c'est mat, soit avec le pion A3 qui avance en A4, le pion C3 qui avance en C4, donc par exemple dame A1 pour empêcher A4, et bien on fait C4, et s'il fait un autre coup, et bien on fait A4 évidemment, et c'est mat. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.